Bienvenue à vous à l'écoute de la Radio Mondiale Adventiste en direct de nos studios de Vienne en Autriche. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir dans nos studios deux invités de choix. Il s'agit de Stéphanie Vincent, qui nous vient de France, Radio Albatros au Havre. Bonjour. Et Jean-Christophe Navam, qui nous vient aussi de France, de Radio Parole de Vie à Saint-Malo. Bonjour Alors, à tous. Bonjour. Alors, hier soir, euh, vous avez. Assister à un concert de musique classique à Vienne pour votre arrivée ici. Euh, Stéphanie, Vincent, est-ce que vous pouvez nous dire vos impressions euh, suite à ce concert Comment vous avez trouvé ça ben, je, je pensais que c'était vraiment fabuleux de pouvoir vivre un moment pareil. Euh de pouvoir vivre un cliché quelque part, puisque un concert à Vienne, c'est une occasion un petit peu unique, avec des œuvres qu'on connaît tous, je pense, et qu'on a plutôt l'habitude d'entendre, enfin et de voir à la télévision pour le concert de Nouvel An. Voilà, donc c'était extraordinaire de vivre ça en ce lieu. Et vous, Jean-Christophe Nava, comment vous l'avez vécu ce concert Oui, je partage euh, ce que vient de dire Stéphanie, et c'est vrai qu'il euh, y a quelque chose d'un peu magique, d'un peu féerique. Il hein. y a le décor déjà, ce hall avec ses statues, avec ses tentures, euh, et puis cet escalier qui nous conduit vers un, un moment artistique euh, haut en couleurs. C'était dans un cadre particulier, donc ah, euh, c'était oui. magnifique. Oui, oui, vraiment euh, dans cette partie de Vienne qui est plus traditionnelle que celle que nous avions vue auparavant, et puis. Bien Bien sûr, il euh, y, y a tout le, le concert en lui-même, hein, bien sûr avec les interprétations euh, des musiciens, euh, des violonistes, des violoncellistes. Il y avait aussi un joueur de flûte traversière. On a aussi eu une pianiste. Euh, et c'est vrai que les interprètes étaient formidables. Ils ont vraiment transmis beaucoup d'émotions. Et il y avait aussi des costumes avec des chanteurs qui sont intervenus. Donc il y a eu différentes pièces à différents compositeurs. Alors, sté Stéphanie, sté merci. Stéphanie Vincent, est-ce que vous avez reconnu euh, certains morceaux dans, dans ce concert euh, Il me semble avoir reconnu euh, Le beau Danube bleu. De Johann Strauss euh, Oui. Et euh, je... toutes les œuvres, euh, la première partie était plutôt consacrée à Mozart, il me semble. Euh, je ne saurais pas dire le nom des œuvres, en revanche. Et la seconde partie, euh, Johann Strauss plus les valses de Vienne, euh, voilà. Donc ça vous donne envie de revenir à Vienne Ah oui, dans Absolument. tous les cas, oui, ça nous donne envie. Puis l'architecture était magnifique, euh, avec les différents marbres. Voilà, merci. C'était, euh, euh, en direct des studios de Vienne, la Radio Mondiale Adventiste. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Attends, j'allais te faire un cours d'architecture. <laughs> Est-ce que ça a été ton expérience dans la première émission du Radio mais en fait, je m'en suis pas rendu compte <laughs> que j'étais filmé. Euh, juste quand je regarde le petit écran là-bas, on voit que c'est filmé, mais c'est vraiment discret. Euh, pour moi, ça n'a rien changé du tout. Hein. C'était vraiment euh, à l'identique. Hello everybody, this is AWR. Austria, we are here in the studios in Vienna. And I have two guests. I have Jessica and Pierre Morel. Hi. Hi, good morning. How are you? How are you fine? Fine. Uh, you were in a concert yesterday at Palais Auersberg. Did you like it? How was it? Tell me about it. Mm -hmm. Well, actually, for me, it was new because I, I never went to this kind of concert. Oh, ah, really? So, at the beginning, I liked the way they used the... Um, Instruments, instruments, yeah, but after it was a little bit boring. <laughs> okay, but little by little, I started to appreciate it. Mm -hmm. Okay, and you? And it was uh, an awesome moment because uh, when I reached at that, uh, at the place, I was very uh, surprised by the beauty of the palace. Okay, and when I reached in the in the room. And I saw the this young lady in front, who is very talented. The music I think it was the first part was from Mozart, mm -hmm. and it is the first time that I took time to to listen to appreciate uh, classical music. And the presentation was very very nice, and I spent a wonderful moment mm -hmm. at this place so it's the first really concert in classical music. what kind of music do you listen uh, when you're not in vienna? Um, i listen to gospel. okay. okay. Um, r&b. Mm -hmm. um, slow, but that's it. okay. yeah, it is the same thing. in, in, in our culture, we don't mm -hmm. listen to classical music oh. much. Yeah. caribbean music, american music. Uh, uh, we like music that moves, you know. Yeah, can dance yeah. In yeah, yeah. So. so the classical music it was slowly and yeah. and not 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 so, so rhythmic, mm -hmm. like like R and B or right. or, or yeah. gospel. But you said you you get comfort with it, so you enjoy yeah, it. Yeah, enjoy it. I enjoy yeah. it. It's 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 a good good good. Uh, Good uh, type of, of, if I can say it like, it is a good style of music. Okay. And I think that from now I'll take time. I'll, I will take time to listen to classical music. <laughs> <laughs> okay. Yeah. Vienna is the city of music. So when you come back again, there are many concerts possible. So thank you for your impressions and thank you that you listened to AWR Austria. Thank you very much. Thank you. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes en direct des studios d'AWR en compagnie de Sarah et Antonin. Bonjour à vous. Bonjour Elsa. Bonjour. Alors, comme chaque semaine, nous avons notre petit rendez-vous culturel. Hier soir, vous avez assisté à votre premier concert de musique classique à Vienne. Mais oui, oui. C'était assez exceptionnel. C'était fantastique. Pour une première. Alors, vos premières impressions Enfin, vos impressions bah, C'est assez exceptionnel de venir à Vienne et en plus d'assister à un concert classique. C'est quand même euh, le pays où, où si tu ne vas pas écouter de musique classique, euh, tu, tu as oublié de faire quelque chose. Donc euh, c'était plutôt bien. Mais oui. Alors, euh, c'était un concert un peu particulier. Il y avait à la fois de la danse, euh, donc un orchestre, et puis des, dan enfin, des danseurs, des musiciens, des chanteurs. Oui, il y avait des, ouais. deux danseurs. Euh, il euh, y avait un ténor et une soprane si je me trompe pas. Oui. Et euh, je sais trois plus. Trois violoncellistes euh, avec un une volu, violon... trois violons, trois une violon. violon solo, une contrebasse, un violoncelle et une flûte Très et un serre. piano. Effectivement. <laughs> et alors, <coughs> alors faites-nous rêver. Vous avez entendu quoi hier soir? Alors on a entendu les tubes de Vienne. <laughs> les le, tubes de le, la musique classique. Le, vous pouvez le chanter. Le Danube ou... bleu, je vais éviter de chanter. Ouais, <laughs> le, le beau Danube bleu, on a entendu déjà forcément quand, quand on est à Vienne, euh, c'est la ville du Danube, il faut l'entendre. Et euh, on a entendu la danse hongroise, je crois, de Brahms. Et aussi euh, à la fin, la marche de Radetsky, parce qu'on ne finit pas un concert à Vienne sans jouer la marche de Radetsky. Alors on au niveau dit... de l'acoustique... L'acoustique était, était excellente, malgré une architecture vraiment très grande avec un plafond immense pour pouvoir faire descendre de magnifiques lustres. L'acoustique était vraiment excellente et euh, le son de tout le concert était vraiment génial. On était dans un palais quand même. Oui, on était dans un palais. <laughs> et alors, il me semble, Antonin, que euh, après ce concert, vous avez découvert votre vocation. Mais, mais oui, après avoir vu ce magnifique danseur en, en collant. Euh, oh. Je, je me suis dit que j'allais arrêter la radio et que j'allais ah ouais, commencer une. Oui, j'y ai pensé direct. Hein. Ah bah ouais, une Quand ressemblance... j'ai vu le danseur arriver, j'ai pensé en tenant. je me suis dit, je te vois tout à fait dans ce rôle-là. Rôle en fait, mais oui, peux... tout à fait. Une ressemblance physique en plus ouais, euh, je avec pense que... le personnage en question. Je pense yeah. me reconvertir. C'est vrai que vous ouais. avez une silhouette euh, assez. C'est enfin, féminine. Euh, assez mais ouais, assez tout à fait. <laughs> Donc, oui, vous pouvez carrément faire ça, Antonin. Je pense que vraiment une vocation mmh. est née hier à Vienne. Euh, il oui, faudra pour pour se rappeler de cette date. Et alors, vous, Sarah, un dernier mot. Vous jouez du piano, il me mmh. Donc, je serais ravie de vous recevoir dans Merci, les d'AWM. <laughs> Et on Plaisir. se retrouve la semaine prochaine Bien pour sûr. un nouveau rendez-vous culturel. Oui. À la semaine prochaine. Au revoir, Elsa. Elsa. <rire> <rire> Notre chronique Culture et Découverte nous entraîne aujourd'hui à la découverte d'un concert avec deux de leurs spectateurs. Gabriel Camille, bonjour. 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 Vous êtes présent sur Vienne pour une, une formation dans le domaine de la radio, mais hier, vous avez découvert un concert surprise. Et justement, c'est ce côté surprise que je voudrais d'abord aborder avec vous, Gabriel. Vous ne connaissiez pas le contenu de ce concert. Tout à fait, ça a été vraiment très surprenant, on s'attendait quand même à quelque chose d'assez classique, mais vraiment on a découvert différents aspects d'expression très très particuliers. C'était vraiment une surprise, une découverte, mais aussi quelque chose de très profond. Le concert surprise, c'est aussi différents moyens d'expression que vous avez pu découvrir, pas uniquement de la musique interpréter Camille ah, Tout à fait, on a pu avoir donc ces morceaux acoustiques avec euh, ce magnifique violon, euh, il y avait du piano, et puis en plus de la musique, on avait le droit également à, à des magnifiques chanteurs, ils avaient vraiment du coffre de la voix, ils donnaient vraiment plein d'émotions dans ce qu'ils faisaient, et en plus de ça, en plus des chanteurs, on a eu le droit aussi à de la danse, C'est en gros j'ai envie de dire c'est un tout en trois, c'est-à-dire qu'on avait à la fois la musique, le chant, la danse, bref, tout ce qu'il faut pour un, un bon petit moment sympathique avec du classique. Quoi tout à fait. Alors, Vienna Residence Orchestra, tel est le nom de l'ensemble que vous avez pu découvrir, à différentes formes d'expression, comme vous venez de nous le dire. Camille, quel a été peut-être ce que vous avez pu préférer, le côté un petit peu plus personnel de, sur, sur votre appréciation de ce concert <laughs> J'ai envie de dire, euh, vu qu'on est à Vienne, euh, eh bien forcément le morceau, le beau des nuits bleues, m'a vraiment impressionné, puisque en plus d'avoir un, un magnifique morceau de musique, eh bien on avait le droit à une chorégraphie, et en plus de ça, c'était vraiment une chorégraphie assez exceptionnelle, puisque eh bien les danseurs euh, Faisait pas mal de portée, ce qui est quand même un, un terme assez technique. Enfin, c'est technique, c'est puissant et. Bon, on ressentait quand même quelque chose d'assez fort et genre, enfin je dis merci au chorégraphe qui a, qui a organisé bien sûr ce petit, ce petit spécial quoi. Gabriel Oui je crois vraiment que la Jean Camille c'était vraiment très particulier au niveau de la performance des artistes bien sûr les musiciens étaient très excellents on vient à Vienne on s'y attend un petit peu mais c'est vrai que derrière il y avait tout un contexte une ambiance une émotion avec de l'humour du romantisme vraiment tout ce qu'il fallait pour pouvoir aboutir à un, à un résultat vraiment exceptionnel mais pas que, la, pas que dans la technicité mais aussi dans le fait que le, le message va dire Directement au cœur, le message il, il, il atteint au-delà de l'aspect technique et de l'aspect romantique. Vraiment, il était, il était très émouvant, très émouvant. Et puis une salle particulière, un ah oui. palais avec une résonance, une acoustique particulière. Oui, c'est vraiment l'acoustique. J'ai trouvé que à ce niveau-là, c'était très, très bluffant. On n'a pas forcément l'habitude de ce genre de, de lieu, et là vraiment. C'était enfin Camille, je pense que en plus comment... de ça, le décor était somptueux, donc euh, autant dire que c'était vraiment magnifique. Quoi. Alors c'est un concert qui va être filmé aujourd'hui même par la télévision locale et qui sera rediffusé ensuite. Mais pour ceux de nos auditeurs qui souhaiteraient pouvoir le découvrir, est-ce que c'est quelque chose que vous recommanderiez Tout à fait, oui. Oui, là, je crois. En plus, pour moi, c'était ma première fois, autant dire que oui, j'étais vraiment satisfait et je le referai l'expérience. Vienne résidence Orchestra ce soir donc à découvrir au Palais de Vienne, messieurs. Merci à vous de votre visite et à très bientôt. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. welcome to hope channel radio my name is christian and i have two guests here in the studio marie and Predik. hello hello last night was very special we had a great the great pleasure to visit a classical concert in vienna uh, a how did you like this concert i must admit that i, um, I really enjoyed it since uh, i think that i haven't been to any any concert like that um, but I like the music, and now I had a chance to uh, in person see how that really looks like, and uh, the sound, and the the singers, and the act. Everything was like perfect. Like I've heard an original, record. original record of of everything that I've heard before. And how did you like the dancing? Oh, the dancing was. Oh, those two guys were like the the, the best. Actors, the best act on on the on the set, and I really really enjoyed it. Very great, uh, Marie. You you are a singer by yourself, but did you yes. ever try to sing to classical music? Uh, I did I have tried it, but I uh, prefer to stick to the more contemporary style. <laughs> I think my voice fits better in that uh, direction. <laughs> it sounds funny when I think classical music, definitely. <laughs> the concert was in a very uh, beautiful play. Mm -hmm. uh, how would you feel to live in uh, such a luxury play by yourself? Um, since I'm born in Vienna, uh, I'm very uh, uh, used to those kinds of uh, uh, buildings and uh, um, I actually never really imagined myself there but I really loved the dresses from from that time. So if you ask me if I would live there because of the dresses, yes of course. <laughs> <laughs> what about you? Would you like to live in there? No, of course, that was very impressive. I mean the the the, the whole room um, it kind of brought us to to that period of time when 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 that, you know, classical music and everything was like something that that really really could could make you enjoy yeah. the music in a proper yeah. way and we just could feel like a I mean king. the atmosphere oh, yes. the, the environment was perfect like a royalty okay Beautiful. so we liked it and thank you very much for this very nice and good impression Thank you for listening you. by hope channel radio thank you. Buongiorno a tutti, vi parliamo da Radio Mundial, oggi in collegamento speciale da Vienna. Abbiamo in studio con noi Aitor e Paolo, che Sempre. hanno assistito ad un concerto tipico austriaco. Come vi trovate a Vienna, tu Aitor che vieni da Sagunto, Spagna, e tu Paolo che invece vieni da Cattolica, Italia? Buongiorno a tutti. Muy a gusto aquí en Viena, el clima está muy bien, hace buen tiempo, la comida está buena también. Hay una sola cosa que me tiene un poco desconcertado, es que todo el agua que encuentro tiene gas. Eh, Esta es una cosa típica de aquí, por lo que veo, el agua tiene gas. ¿Y tú, Pablo? Bella, bella ciudad, no, no pensaba que fuese así grande, por lo menos no veo esas dimensiones. Mm, bello. Aitor, ¿cosa te ha colpido? ¿Te ha piaciuto de más del concierto? El concierto me pareció muy bonito, los eh, músicos tocaban muy bien, eh, me han, el lugar me ha parecido eh, precioso, extraordinario y me ha llamado la atención una de las cosas es que los músicos parecían muy sincronizados entre sí cuando había ocurrían cosas entre ellos durante la actuación. e si miravano, ...si sorridevano, eh, aveva buona chimica, buon feeling tra i musicisti, e questo mi ha gustato. E tu Paolo invece? Mi aspettavo che ci fossero più, più musicisti, fossero più, più strumenti, però quei pochi che c'erano comunque hanno fatto, hanno fatto un bel effetto, un bello, pieno. E soprattutto mi ha, mi ha colpito poi probabilmente la... la Mm, la giovinezza della, della violinista, mm. che comunque ha, ha tenuto, tenuto bene, bene il concerto, bravi, bravi veramente. E ci ritornereste quindi a Vienna, in Austria, a ah, Ettore? Si, volverò algún día. Sì, sí, mi gustaría volver Alcuni giorno ho eh, conosciuto gente agradabile qui, buoni amigos che van a perdurar nel tempo, spero. Y un sito maraviglioso che sono le installazioni che tienen qui Radio Mondiale Adventista, sì che spero voler e pronto. Ancora S pochi secondi? Sì, per spero, spero di tornare perlomeno per il concerto di, di Capodanno, sicuramente quello non lo perderò. <ride> Quindi è stata una bella esperienza essere qui a Vienna. Sì. Ok, allora cari ascoltatori vi ringraziamo per averci ascoltato e vi diamo appuntamento ad un nostro prossimo programma, con la nostra prossima speciale programma da Parigi. Ma voi non vedevate il tempo?